Salut, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. Il y a des tas d'objets à l'effigie de mes vidéos, du roleplay prison, du roleplay école, des vidéos avec mon fils et plein d'autres choses. Donc tu trouveras des t-shirts, des mugs, des sacs, des stickers et plein d'autres choses. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller acheter des produits et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Et bonjour tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft et aujourd'hui les amis, eh bien on est avec Alicia, voilà, donc elle est dans sa chambre et en fait j'ai reçu un message d'un abonné comme quoi Usko il serait vraiment parti de ma maison en fait, vous savez du tombeau où on l'avait enterré, donc voilà, on va aller plus enquêter là-dessus et on va aller dans notre ancienne maison pour voir si c'est le cas parce que l'abonné il est passé devant et il a vu qu'il y avait un gros trou, donc on va tout de suite y aller et aller enquêter, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de pouces bleus les amis et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours. Donc voilà, c'est super important de vous abonner les amis. C'est totalement gratuit. Et si vous n'avez pas encore de compte YouTube, créez-vous un compte YouTube et abonnez-vous. C'est aussi gratuit. Et ça prend 5 minutes à faire, vraiment. C'est le seul moyen de me soutenir et de me remercier. Donc un énorme merci à ceux qui font ça. Donc comme d'habitude les amis, je remercie les gens qui sont devenus membres. Donc comme je tourne les vidéos d'affilée parce que je vais partir en vacances bientôt faire d'autres vidéos IRL, eh bien je fais plusieurs vidéos d'affilée. Donc du coup c'est toujours les mêmes sponsors qu'hier. Donc merci beaucoup à Son Youssef, à Cloxiu, à Benoît et à Commandant Fox, ça fait trop plaisir. Pour ceux qui veulent avoir leur dédicace dans la vidéo de demain, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur le titre. Ça va vous dérouler la description. Là, il y aura toutes mes chaînes YouTube, donc Oximos, Oximos Gaming, Oxy, fils d'Oximos. Et juste en dessous, eh bien, il y a le lien deviens membre. C'est ce lien-là sur lequel il faut cliquer. En vrai, il faut cliquer sur tous les liens pour s'abonner à toutes mes chaînes, etc. Mais voilà. Sinon, c'est un petit abonnement payant, le deviens membre, et vous serez remercié au début. Ça fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire Alors ouais, du coup il y a Teespring, il y a le Teespring aussi, c'est pour la boutique. Il n'y a pas de photos, mais elles sont toutes là-bas les photos, c'est pour ça. Donc les derniers t-shirts les amis, c'est de la collection de Usko et tout. Donc allez voir, allez acheter et voilà, envoyez-moi les photos sur Instagram une fois que vous avez reçu. Mon Instagram est aussi dans la description. Bref, on va aller voir vite fait les photos des abonnés pour vous montrer. Donc du coup c'est pour ça, ça permet de me soutenir la boutique. Vous déroulez la description, vous allez sur la boutique teespring.com/store/oximos. Et une fois que vous avez commandé le produit de votre choix, il y a plus de 200 produits. Et bien vous venez ici, voilà, vous venez ici. Et enfin vous allez sur Instagram, vous me prenez une photo et vous m'envoyez, regardez. Après vous atterrirez ici, si c'est pas beau ça. Bon du coup les amis, hop, on va faire ça comme ça. Et on va tout de suite aller voir Alicia. Alors non, attendez, parce que avant vous avez vu la station service, elle a disparu. Donc hop tac 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 tac, voilà, on fait comme ça. Et d'ailleurs je vous le dis parce que je sais pas à quel jour sortira cette vidéo, mais il y aura pas de vidéo avec mon fils cette semaine, je crois pas, ou à moins qu'il y en aura une, mais en tout cas ça sera pas samedi, parce que je crois même que cette vidéo elle sort samedi ou dimanche. J'en ai complètement aucune idée les amis, comme je vous dis je tourne énormément de vidéos à la chaîne et du coup je sais pas à quand sortent les vidéos, et c'est très peu probable que ce week-end il y ait des vidéos avec Nils, donc voilà. Mais sinon il y aura la semaine prochaine ou même cette semaine. Bon bah voilà, là tout a disparu pour la station service. On va aller voir Alicia, puisque vous savez c'est avec Alicia qu'on avait enfermé Usko dans son tombeau. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo avec Alicia tout simplement. Donc voilà, elle a aménagé dans la vidéo d'hier. Et regardez dans la vidéo d'hier, voilà, elle a aménagé sa chambre, elle est là. On va sonner. Voilà, on sonne. Oui. Yeah, c'est Oximos. Comment ça va? C'est le grand frère. Ça va et toi? Ça va, ça va. Et bah, tu sais quoi? Aujourd'hui, il y a un abonné, il est passé devant notre ancienne maison et il a vu que l'accès au laboratoire secret, il a été encore ouvert. Mmh. Donc, est-ce que ça te dit qu'on aille voir là-bas, voir si, je sais pas, il y a un truc, voir s'il y a un truc d'important, si Usko, il a été déterré ou je sais pas quoi. Ouais, mais d'abord, est-ce que la maison verte, c'est là-bas, là, c'est la maison de Carlos? Ouais, la maison verte, c'est la maison de Carlos, ouais. Bon, on peut aller voir. Tu vas aller voir? Ouais. Ok, ouais, mais tu sais que bah, faut vite aller voir la maison avec Usko, hein, parce que sinon, bah voilà. Oui, mais je veux aller chez Carlos d'abord. Ah ok, bon, ok, bon, bah, elle veut aller chez Carlos, les amis. Bon, on va pas lui dire non. Je sais pas ce qu'elle veut faire chez Carlos, mais on va aller voir. Et voilà. En plus, ça va être l'occasion de lui présenter. Tu vois, c'est la maison en face là. Ouais, je sais.
Ah, tu sais, ok, tu sais déjà. Je me suis promené dans la ville un petit peu. Ah, d'accord. Et t'as vu quoi d'autre à part la maison de Carlos? T'as vu pas grand chose d'autre? Bah, après, je suis pas allé plus loin parce que j'avais peur de me perdre. Ah, ok. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la maison de Carlos. En fait, de base, elle était pas du tout comme ça. Mais il a voulu que je la fasse en verre avec les fenêtres en forme de ses yeux, tu vois. Ouais. Genre voilà, c'est pour ça. Bon, écoute, tu sais très bien, tu commences à connaître Carlos, c'est Carlos quoi. Mais je crois qu'il est pas là aujourd'hui. Il est pas dans cette maison en tout cas. Bah voilà, non mais je te le dis comme ça. Il est pas dans cette maison. Ouais, il y a un nouveau truc. Ok, ah il a mis une télé et tout. Ok. Là il y a quoi là-dedans? Il y a rien. Ouais, wow, qu'est-ce que tu fais? Je le vole. Ah tu le... Ah ouais, le vol carrément les amis. Bon bah Carlos, de toute façon on lui rendra. Je vais juste voir si ça a un peu changé et tout. Ah mais elle veut même pas visiter la maison en fait. Elle veut juste se tailler avec le truc. Bon de toute façon je crois qu'aux étages y'a rien. Genre y'a pas de chambre là, y'a pas de chambre là. Et là c'est vide, là y'a une salle de bain. Ouais c'est nul. Ah mais il a même pas aménagé. Attends y'a un autre. Ah oui y'a un autre étage ici. C'est quoi? Mais tu me pousses. Oh excuse-moi madame. Excuse-moi. Et oui, là il y a. Ok, oui. La flemme d'emménager. Ouais, je crois. Mais c'est surtout que en fait, c'est pas sa maison principale, c'est sa deuxième maison. Sa maison principale, elle est dans la même map que Talcado et Awariz et tout, donc c'est normal. Ouais. Donc c'est pour ça, là, il a fait un truc un peu à la va-vite. Et quand il va revenir ici, il va voir qu'il n'y a plus son fauteuil multicolore, il va se demander où il est. Il va se demander où il est. Et tu comptes lui rendre ou tu comptes le garder? On verra. Ah on verra, ok. Bon bah de toute façon c'est vous savez quoi, c'est Carlos, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est celui qui casse souvent des choses chez moi, qui vole souvent des choses aussi, qui fait beaucoup de conneries, donc au pire voilà quoi. Au pire voilà. Et ça te fait un petit truc pour t'amuser. Ah tu l'as mis dans le garage, mais tu sais que t'aurais pu passer par là hein. Regarde. Ah. Voilà. Et ouais. Là bah là je t'ai déjà présenté, c'est la voiture qu'un abonné avait offert à mon fils. Voilà. Ouais. Wouh. Ah mais c'est trop bien. Attends, je vais faire un petit tour. Tac. Allez, c'est parti, go! Ah, ça va pas vite en fait! C'est pas ouf! En tout cas, c'est multicolore et tout. Ça fait de la lumière. Ok. Bon, bah, super rangé en tout cas. Bon, bah, du coup, c'est bon, t'es prête à aller voir Usko et tout? Ouais, mais d'abord. Elle est où l'autre? Enfin, l'ancienne maison du coup. Ah, tu veux voir l'ancienne maison? Mais. Oh, ouais. Ah, mais attends, mais. T'aurais pas pu me le dire avant là, il faut vraiment aller voir la maison de Usko et tout, hein? Ouais mais je m'en fous. Ah elle est chiante. Bon tu vas aller voir notre ancienne maison c'est ça? Ouais. Bon on va y aller. Bon les amis, mettez un maximum de pouces bleus et dites si vous trouvez Alicia chiante. Mais bon c'est vrai que là on avait un truc bon écoutez en vrai ça presse pas si Usko il est toujours enfermé bah tant mieux. Et s'il a disparu bah il a déjà disparu aujourd'hui là. Donc admettons il a disparu, il aura déjà disparu là. Donc ça sert à rien, on peut attendre 20 minutes de plus quoi. Donc mettez un maximum de pouces bleus les amis, je compte sur vous, vous bombardez les likes et vous vous abonnez si c'est pas encore fait, voilà. Et vous mettez en commentaire le mot Usko 338, voilà, vous mettez ça. J'ai pas d'originalité, mais voilà. Qu'est-ce que tu... Je regardais là où tu regardais. Ah oui, comme ça. Genre comme ça. Oui. Ah ok. Ok. Vas-y. Regarde, je sais pas si tu la reconnais, on voit déjà les ballons en haut là. Ah ouais. T'as peut-être ton render distance au plus bas, je sais pas. Regarde, viens ici. Regarde, viens par là. Vas-y, attends, je referme. Faut pas se faire écraser, hein. Ah ouais, y'a plein de voitures, fais gaffe. C'est bon. Ok. Et genre, c'est à peu près en face. Je sais pas si tu vois déjà les ballons. Ah ouais, oui, je la vois. Ok, je fais n'importe quoi, moi. Comme ça, voilà. Vas-y, on contourne le train. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voies de chemin de fer et tout, mais ouais, voilà, tu vois, la maison, elle est là. Waouh. La maison, elle est là, et voilà. Je sais pas, tu voulais pas récupérer un jouet ou un truc comme ça? Oui. Oh, bah là, il est sous l'eau, ton jouet. Je t'en rachèterai. Bah... Attends. Ouais. Oh, il y a des photos. J'avoue, il reste des photos des abonnés. Ah ouais. Ok. Ah, et vas-y. Plus ma chambre. On descend un peu. Waouh, c'est inondé. Ah mais oui, il n'y a plus ta chambre parce que ta maison, la maison elle s'est coupée en deux pendant qu'on était dans les airs. Ah. C'est pour ça on a condamné. Fais gaffe, mets pas tes pieds dans l'eau. Vas-y, on fera une vidéo, on retournera ici plus tard, ok? Ok. Bon, et franchement, il y a beaucoup moins de ballons qu'avant. Hein. Hop.
C'est pourra chaud. Faire une cabane dedans. Bah ouais, si tu... ouais non, on va éviter quand même. Ça craint un peu, regarde. Oh merde, c'est un cimetière là. Il faut que je plonge. Non, 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 faut que tu sautes. Bah vas-y, plonge. Je sais pas sauter. Vas-y. Wouh, voilà. Bah voilà, c'est bon. Alors faut faire gaffe, là il y a un cimetière. Je te dis, c'est ultra glauque par ici. Donc fais gaffe. On passe par là et voilà, on rentre à la maison. Bon bah du coup, là c'est bon, on peut vraiment aller voir le tombeau de Yusko ou on peut pas aller voir le tombeau de Yusko? Oui, on peut aller voir. Bon bah c'est bon. En même temps les amis, c'est un peu de ma faute, j'avais pas présenté tout, tout ce qu'il y avait, dans la ville, donc voilà. Donc là, elle découvre et c'est bon, t'auras plus à me demander là maintenant. Ok. Oh là, fais gaffe, tombe pas ici. Je suis pas chiante. Non, ça va. Les abonnés, dites-lui qu'elle est chiante en commentaire. Ok, vas-y, viens. Viens, allez. Non, je sais pas ce que t'as entendu, moi j'ai rien entendu. Hein. Voilà. Ah ouais. J'ai rien entendu du tout, je sais pas de quoi tu parles. Mm-hmm. Allez, go, on va à la maison et on va préparer nos affaires, les amis. Bah, vous savez quoi, j'ai envie de dire, les amis, on va faire une petite pause et on vous retrouve une fois que on est dans la maison, dans l'emplacement de notre ancienne maison, parce que du coup, elle va y aller avec son fauteuil qui va à 2 à l'heure et moi je vais y aller avec ma voiture et il y a quand même un peu de temps de route. Donc voilà, on vous retrouve une fois qu'on est arrivé à l'ancienne maison. Allez, à tout de suite. Ok les amis, c'est bon, on vient d'arriver à l'ancienne, l'emplacement de notre ancienne maison, donc vous voyez qu'il n'y a plus rien. Eh, t'as vu, il y a encore ton petit truc de donut. Ouais. Ils ont dû pourrir, hein. Les mange pas, tu vas avoir des problèmes. Bon, ouais. Du coup, regardez, il y a toujours la soucoupe volante. Donc ça, elle a pas bougé. Il y a toujours les trucs comme ça et tout. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est parti, j'ai envie de dire. Et là, ça a été enlevé, mais c'est nous qui l'avons fait, ça. C'est nous qui l'avons enlevé, justement, parce que on avait encore besoin d'accéder au sous-sol, mais pas au labyrinthe. Oh, ah ouais, mais ouais, ça a été ouvert, hein. T'as vu ça? Ouais. On rentre ou pas? Imagine, il y a quelqu'un qui nous attend. Tu es. Oh là là, faut y aller ultra doucement, ok? Les amis, mettez un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Sinon, ça veut dire que Yusko, il va revenir, il va ressusciter. Et je pense que personne n'a envie que Yusko ressuscite pour nous tuer et tout. Donc voilà, il faut à fond s'abonner à la chaîne et vous mettez plein de pouces bleus. Voilà, allez, vas-y, descends. Vas-y d'abord, toi d'abord. Sympa. Ils ont tout ouvert, quoi. C'est quoi ça? On peut pas se faire mal. C'est quoi ça? What? C'est l'accès au métro. Ah ouais. Ah, ils ont creusé jusqu'à l'accès au métro. What the fuck? C'est pas par là, c'est par là, regarde. Ah ouais, ils ont tout démoli. Hein. Et là, cette fois-ci, la bedrock, vous avez vu, ils ont réussi à la casser. Parce que l'autre fois, ils n'arrivaient pas à casser la bedrock. Là, ils ont réussi. Attention. Ah ouais, d'accord. Ok, attends, on va monter par là. Voilà. Waouh. Puis il y a des trous de partout, hein. Ouais, mais ils ont tout défoncé et ils ont tout rouvert accessoirement. Hein. Ils ont rouvert là-bas. Là-bas, c'est où il y a le tombeau d'Yusko. Et à mon avis, s'ils ont réussi à casser la bedrock qui est là, c'est sûr que la bedrock qui casse le tombeau d'Yusko, elle est cassée, hein, c'est sûr et certain. C'est chaud. Ils ont rien fait là? Alors là, ils ont rien fait, ok. Je regarde un truc. Non, là, y a rien qui a bougé, les amis, apparemment. Mais c'est vrai que c'est chaud, hein. Oh, imaginez jusqu'où il est plus là. Bon, là, ça a pas été cassé, on va remettre. Les amis, est-ce que vous pensez dans les commentaires que Yusko, il est là ou il est plus là? Dites-moi tout de suite, là. C'est important. En tout cas, tout ça a pas beaucoup bougé, j'ai l'impression. Ah merde, c'est vrai qu'il y a ça. Bon, c'est pas grave. Ok, donc tout ça a pas beaucoup bougé. Toi, t'as trouvé des trucs ou pas, Alicia? Non. Les... Oui. Oui, non? Il y a des caméras de sécurité, un couteau. Ah, ouais, mais ça devait être là déjà avant. Oh là, waouh, tu t'es trop approché près, là. Moi, j'étais sans... T'étais pas sous ma surveillance, tu t'es approché trop près de ça, fais gaffe, hein. Ça se trouve, il y a quelqu'un, là. Ouais, les amis, ils ont tout défoncé. Et là, il n'y a même pas de dynamite comme la dernière fois. Hein. Avance très lentement. Ok. Ah, ils ont pas réussi, regarde. Il y a une porte blindée. Ils ont pas réussi à ouvrir.
Ah si. Oh, quoi? Oh, ils ont contourné la porte blindée. En creusant dans les murs comme ça, ils savaient qu'en creusant en diagonale, on arriverait là. Oh, les malins! Oh, les malins, les amis! Ok, le tombeau du Husko. Il a pas l'air d'être cassé. Si. Si? Ah ouais? Ouais. Attends. Oh, y a plus Husko. Waouh, l'énorme trou qu'il y a. Husko, il a disparu. Husko, il a disparu. Ok. Donc c'est bien ce que l'abonné nous disait, il y a eu Husko, il est plus là. Je crois qu'ils se sont échappés par le dessus. Et ouais, apparemment ils se sont échappés par le dessus. Mais c'est quoi ce bordel? Eh, on n'arrivera jamais à l'arrêter Husko, les amis. Ouais, on va jamais réussir à s'en débarrasser. Ouais. Attends, je vais juste grimper en haut pour voir où est-ce que ça mène. Tac. Chut. Oh, c'est une maison que je connais, ça. Ouah, c'est le dentiste! Ils ont fait un énorme trou au laser dans la maison du dentiste, ils sont repassés par là. Ah ouais, ils ont pas le temps! En fait, le tombeau de Husko, il était en dessous le dentiste. Oh. Ah ouais, mais non, mais là, c'est même pas drôle là. Ils ont peut-être creusé un gros avec un gros marteau piqueur et après. Bah... Un gros marteau piqueur, mais tu sais, après, ils ont des trucs laser. Hein. Vas-y, redescends. Ouais, et là, y'a rien, là? C'est quoi, ces trucs de chemin de fer? Ouais, non. Y'a des plots. Non, vas-y, Husko, il serait pas venu, là. Husko, il serait pas venu, là. Bah, vas-y, redescends, hein. Bon, bah, les amis, si vous avez des pistes en commentaire, dites-moi où il pourrait être. À mon avis, il est peut-être retourné sur sa planète, mais il a rien touché. Mais en même temps, ça se trouve, il était mort, hein, quand elle l'a mis dans le tombeau, donc, il a rien touché, c'est normal qu'il a pas mangé le nonos, qu'il a pas touché aux photos et tout. C'est des gens qui sont venus de l'extérieur, qui soit ont creusé un gros trou dans le sol et qui sont partis par là, ou soit qui sont venus par là et qui sont fait un gros trou dans le plafond pour venir, hein. C'est sûr. C'est faux, il est toujours mort et ses coéquipiers, bah ils ont c'est sûrement ça. Le ressusciter. Bah c'est sûrement ça, les amis, les jours sont comptés, hein, parce que plus on attend, plus il y a de chances que Husko il soit ressuscité, donc c'est pour ça il faut s'abonner à fond à la chaîne. Là, il faut bombarder les abonnements aux 550 000 abonnés, les amis, vous pouvez le faire, et on ira revoir sur sa planète, voir s'il est là, voir s'il y a sa famille et tout, parce que voilà, la dernière fois qu'on est allé sur sa planète le tuer, on est allé que dans la partie laboratoire de sa planète, mais on n'est pas allé dans les endroits où il habitait et tout. Bon, vas-y, viens, on ressort, parce que là, waouh, c'est... C'est chaud. Bon bah ça sert pas, ça a servi à rien en fait ce qu'on a fait. Ouais. Ce qu'on a fait sur tout le travail de, tu sais, pour tout reboucher et tout, pour construire les fusées, ça a servi à rien. Ouais. Ils l'ont remporté dans sa planète et ils vont le ressusciter. Mais ils ont des machines trop puissantes pour nous. Mais ouais, mais il faut vraiment trouver un moyen de les tuer, hein, c'est pas possible. Faut vraiment trouver un moyen de les tuer. T'es où, Alicia? C'est là. J'essaie de remonter. Vas-y. Oh, les amis, ça me met dans un mauvais mood, là. Un bad mood. Je me sens trop con. J'aurais dû plus sécuriser la base ou mettre un garde du corps et tout, parce que là... Bon, c'est bizarre qu'il y ait pas que la soucoupe volante, elle soit encore là, quoi. Je vais voir s'il y a peut-être des nouvelles infos dans la soucoupe volante. Il y a des livres. Alors, les livres, c'est les mêmes que la dernière fois ou pas? Journal de bord, on est arrivé, tu es Oxymose. Ouais, c'est la même chose. Ok. Bon, bah les amis, là il me faut des pistes. Il faut que vous soyez intelligents dans les commentaires et que vous arrivez à essayer de me dire, ouais, je pense que Husko il doit être caché là et tout. Faut que vous soyez vraiment inventifs et que, bah voilà. Faut aller voir sur sa planète évidemment, mais... Wow. Et s'il vous plaît, donnez des moyens de le tuer. Quel stratagème on pourrait utiliser pour essayer de le tuer une bonne fois pour toutes? C'est ça qui serait vraiment intéressant. Bon, bref les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Je rentrerai à la maison, dans cette maison là, enfin dans notre nouvelle maison plus tard hors vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi ça me retourne le cerveau encore une fois, je sais pas comment Husko il fait, il est trop fort bordel. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Pensez à la partager, c'est le plus important. Et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Il y a ma boutique de t-shirts dans la description, allez commander un petit truc. Et il y a la chaîne de Pepito et Boulox aussi dans la description. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, c'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao.